Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy about it. Damn you, Max. I told you no cops. Salut tout le monde, c'est Jean Block et nous voici pour l'épisode numéro 13. Et oui, là, cette fois-ci, je me trompe pas dans mes comptes pour de notre let's play de Max Payne 2. Alors Max. On va y arriver à force. Hein. Max est juste là. Donc vous voyez, donc nous sommes dans l'épisode 13. L'épisode 13 de notre let's play de Max Payne 2, et puis là on est encore avec Mona pendant que Max essaye de s'échapper par une porte et qu'on entend au loin la police. Voilà, ça c'est un résumé de notre épisode 13. Okay, stay where you are. I'll let you know when I'm in position to cover you from the other side of the yard. If she couldn't make it to the other side of the yard, I wouldn't make it out of there alive. It was that simple. Bon, allez. Par là. Chaud, 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 cacao. Non, c'est pas ça. Allez, on va fouiller un peu vite fait, parce qu'il y a peut-être un truc intéressant. En même temps, tu me diras, il y a Max qui attend. Donc on va pas le faire attendre plus longtemps. Je vais pas y aller par là. Là, normalement, je peux l'avoir là. Okay, action. Non. Là tu dis ok action, elle saute dans le vide. Oui. C'est très logique. C'est parce que j'ai essayé d'avoir une bonne vue. Okay, action. Set, go. And he's off. The crowd goes wild. Putain, mais laissez Max sérieux là, vous faites chier. Elle va venir, il va venir jusqu'à moi. J'allais dire elle, mais en fait c'est lui. C'est lui que normalement on doit incarner quand même. Meet you on the other side. Listen, Mona, the fun house. You wanted to talk about what happened. Yeah. Well? Well what, Max? Repeat, you're breaking up. Damn it. More commandos. Mona, can't you... Max? Max, come in. Can you hear me? Je crois que Max s'est fait serrer. Mais je passe par où? Parce que je veux bien. Mais... D'accord, c'était par où en fait. En fait. J'apprenne à parler correctement aussi. C'est peut-être fait serrer par sa copine flic là. Je sais pas, moi je donne des spéculations là. De toute façon on est tous comme ça, on fait des spéculations J'ai dégagé un peu la zone, hein. Comme ça au moins ça c'est fait. Voilà, on récupère des munitions. On va économiser un peu ça aussi. Sauvegarde? Ouais, sauvegarde. Ah ouais, c'est là que je... On va essayer de le rejoindre. Hein. Putain, 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 putain. Sauvegarde. Voilà. Vous voyez, je fonce un peu dans le tas quand même. Je ne me rends même plus compte si je parle ou si je parle pas. C'est affolant quand même. On va se regarder là. Et on va voir par où on passe. Par là? D'accord. Oh, je l'avais pas vu. Non. Désolé. Tiens, on va se mettre un peu là. On va se garder là. On va y aller au fur et à mesure. On se garde automatique. Non mais sérieux? Donc je disais, on va y aller doucement. Voilà. C'est vrai que c'est des trucs que je peux exploser. Hein. Je suis con. Allez. Voilà. Peu de sang, ça fait pas de mal. Des munitions non plus. On va se regarder là. On va se regarder là. Putain. On est pas loin de Max là. Putain, j'ai failli tomber encore. Merde. On va sauvegarder là. edge of this pit. I can see a way out from here. I'm at the bottom of the pit. I'll find a way up. Okay. The commandos don't want us to leave. I'll talk to them. Bon, on va être obligé de monter. Mais avant, je vais récupérer un peu de munitions. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Comme ça, je vais pas être dans le rouge à mort. C'est sympa quand même ce système de un peu de coop sans coop quoi. Donc là on protège Max, il nous protège, ainsi de suite quoi. Elle a dit je monte mais où c'est que je monte? Ah mais c'est pas par là. Ah ça doit être par là. Tu crois qu'on peut monter à la grue? Non. Voilà. Voilà. Putain, il pleut, tout ça, c'est horrible. Ah bah. Petite sauvegarde là, avant de monter. On recharge, au cas où. Et voilà. Firing a gun is a binary choice. You either pull the trigger or you don't. Ah. Stop! Stop! Wait! Stay out of this, Max. You're only making it worse. You've been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists, she gets shot. As surely as the bullet rips through the victim's flesh, organ and bone, it shatters the image of the man who presses the trigger. Easy. Back off, Payne. This is what I see when I look back. These moments, blinding as snow, they kill you, change you, you die and live again, remade. No, Mona. Winterson! Gunfire! This way, fast! Go! Go, run! Mona! Over here! Hold it! Ah! Detective Winterson! Officer down! He went over the edge! The genius of the whole. No matter how long you spend climbing out, you can still fall back down in an instant. I had a dream of my wife. In it, I murdered her for my lover. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown, head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start 2 large bore IVs, get him to ICU stat. He's not responding. This guy is a train wreck. I had chosen Mona. It felt like I had lost her. You're a real angel, Max. 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 Ok. Max. Oh, Max. Bah, c'est le prologue, donc on va enchaîner sur le prologue. Là, je suis un peu en what the fuck. Ouais, c'est abusé quand même là. Hein? Paranoïa. Ouais, c'est un bon délire là. On est en train de voir des... On est en train de voir des passages de Max. Mona Sachs. Stop. Stop. Wait. Stay out of this, Max. You're only making it worse. Tiens. Been suspended. She's one of them. She's here to kill me. I'm doing my duty. She is a fugitive murder suspect. I'm taking her in. She resists. She gets shot. Easy. Back off, Payne. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il a en fait. Ce que je comprends, c'est qu'il a tué Winterson. Là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Payne. Payne. You must, Payne. You gotta solve the case. We've been betrayed. En même temps, c'est Winterson, hein, je crois. Je suis pas sûr hein, de ce que je dis, mais bon. On va sauvegarder là. Parce que... Max, she is a murderer. Max, she's after us. She's one of them. Max, it's your duty as a detective. Huh. Duty? That's the best you can do. Too late, Max. You are under arrest for murder. Back off, Payne. I'm doing this for you, Max. A bullet in the head. Max, stay back. I can end the pain. Winterson's phone. Max, dearest of all my friends. Brad? Too late, Max. You are under arrest for murder. I'm doing this for you, Max. A bullet in the head. I can end the pain. You come to, amidst the wreckage of your own making. You stay there, eyes squeezed shut, afraid to move, hoping to bleed to death. Or do you crawl out, help your loved ones, make sure the fire doesn't spread, try to fix it? Final warning. We have surrounded the building. Drop your weapons and come out with your hands above your head. All this time, we got the fable of Sleeping Beauty wrong. All units are in position. We are ready to go. Prince didn't kiss her to wake her up. No one who slept for 100 years is likely to wake up. Okay, people, get ready to go in. We are gonna hit the place. It was the other way around. He kisses her to wake himself up from the nightmare that has brought him there. Ah. When I had woken up in the hospital earlier tonight, I had thought things couldn't get any worse. I was wrong. Fast forward from that to Winterson's body at the hospital morgue. I was a murderer, a cop killer. There are things in life you cannot choose, how you feel. I had lain at the bottom of the hole long enough. Too long. Give up! You have nowhere to run! The cleaning company commandos were coming for me. I needed a gun. I needed to get past them. Hoped the painkillers were enough to keep me on my feet. Miller, Mitchum here. Et voilà, bah c'est ainsi que va s'achever cet épisode numéro 13 de notre aventure, de notre let's play de Max Payne. Comme vous avez vu, Max Payne a fait un choix. Le choix de sauver Mona Sachs, son amour, pour tuer Winterson, sa collègue, qui on a peut-être des suspicions sur le fait que c'est une traite. Parce que depuis le début, depuis le coup de fil qu'il a décroché et tout ça, il y avait une impression comme quoi quelqu'un voulait pas parler à elle, il voulait parler qu'à elle. Et quand on a entendu un peu la conversation et tout ça téléphonique, tout mène à croire que c'est une vendue. Bref, j'espère que cet épisode numéro 13 vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo, à la partager, à lire la description, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à regarder les précédents épisodes si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.